Bonjour, qui êtes-vous? Sophie Procureur, présidente du Grand Braquet. Alors le Grand Braquet, qu'est-ce que c'est? C'est un club de cyclisme, de l'école de cyclisme de Prestancia Minime qui se trouve sur Marseille. Alors aujourd'hui, on vous retrouve aux abords du Grand Prix La Marseillaise. Pourquoi? Pour faire découvrir l'arrivée des pros aux petits, et parce qu'ils pensent tous devenir pros, donc pour eux c'est un rêve. Qu'est-ce que c'est les petits, la tranche d'âge? De 3 ans à 12 ans, de Prestancia Minime. Et vous pensez qu'est-ce que ça leur apporte d'être là à côté de la ligne d'arrivée des grands? Ça leur apporte satisfaction, ils sont contents, ils pensent que voilà, peut-être un jour ils seront à leur place. Donc c'est un rêve pour les enfants. Et est-ce que vous décelez comme ça parmi les plus jeunes des champions, des futurs champions en herbe? Ah, il y en a quelques-uns, mais c'est dur en Provence, le niveau n'est pas pareil que dans d'autres pays. Et comment vous expliquez ça? Je sais pas, je pense par le manque de bons éléments, d'entraînement, il y a trop de diversité en fait, avec la mer, le ski, voilà. On s'éparpille plus dans tous les domaines que dans le vélo. En fait. Et qu'est-ce que, si on devait leur souhaiter quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait leur souhaiter? Ah, mais moi je souhaite qu'il y en ait un au moins d'ici qui réussisse à passer pro un jour. Merci.